nous sommes arrivés à la Nouvelle-Orléans et la musique, ça s'entend. Alors papa, première impression de la Nouvelle-Orléans? Attends, c'est trop tôt. Mais comment? Hey, première impression? Bah écoute, je sais pas, c'est déjà sympa, on entend de la musique, vous entendez, hein? Ça doit être sympa, on va y aller, on va voir ça se fait. Allez, on y va. On arrive dans la rue Bourbon, Bourbon Street. On vient de la rue Bourbon. Oui. Alors, la rue Bourbon, c'est pas toute la Nouvelle-Orléans, mais quelles sont tes premières impressions? Bah, maintenant, je peux te donner mon impression, parce qu'on a fait, je crois, les trois quarts de la rue Bourbon. C'est très folklorique, et c'est bien, c'est beau à voir. Il y a un inconvénient. C'est que les gens qui jouent de l'instrument, ou des claquettes, peu importe, ils viennent vous mendier, vraiment, ils viennent vous tirer presque de l'argent de votre portefeuille. Ouais, ça c'est vrai. Alors, j'ai trouvé le truc. Si jamais un jour vous devez venir à Nouvelle-Orléans et que vous visitez la rue Bourbon, je vais vous donner un truc. Écoute bien, c'est un truc, hein. D'un grand voyageur. Ouais, un grand voyageur. Bien sûr, c'est la première ici. Bon, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas les regarder. Et surtout pas regarder, montrer que vous les regardez. Parce que si vous montrez que vous les regardez, alors ils arrivent chez vous avec un seau, avec une boîte. Il faut faire semblant de rien. Vous regardez, mais surtout ne pas montrer que vous les regardez. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens filmer en douce. En douce. Ouais. Parce qu'en fait, ils vous poussent à payer si vous les filmez. Ou alors, si tu as l'intention de leur donner du pourboire, tu regardes et tu leur donnes un pourboire. En fait, ici, c'est si tu regardes le spectacle qu'ils donnent. C'est leur mentalité, si tu regardes le spectacle qu'ils donnent, eh ben, ça vaut un pourboire. Ouais. Et ils viennent, et là, en revanche, c'est vraiment très ennuyeux. Ouais, c'est très ennuyeux. S'ils voient que tu as regardé, et surtout que tu as filmé, et que tu ne payes pas, tu ne donnes pas pourboire, ils te suivent. On est presque obligé de devenir méchant pour qu'ils nous lâchent les baskets. Et ouais. Ça, en revanche, c'est vraiment désagréable. Ça, c'est désagréable. Ouais. Sinon, oui, bah écoutez, si tu as l'intention de vraiment donner du pourboire, tu regardes, tu payes. Mais ici, c'est tu regardes, tu payes. Et si tu payes pas, ils viennent te chasser. Bon, et sinon, c'est plutôt agréable. Ah non, non, c'est agréable, c'est une ambiance bon enfant. C'est très, très, très bien. Puis moi, j'ai quand même un peu faim, là, non? Ah oui, moi, je commence aussi. Tiens, tu dis, bon, j'ai envie de te proposer de manger de l'alligator. L'alligator? Ouais, l'alligator. Tu sais quelle différence qu'il y a entre un crocodile et un alligator? Bah oui, hein, le crocodile, la gueule, elle est plus large. Mais non, c'est caïman pareil. Il y a papa, il veut faire une course avec des jeunes. Mais vraiment, n'importe quoi. One. Aïe, 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 aïe. People coming. That's okay. They are coming. Three, go. I was on that side. Pas mal. Pas mal. Not bad. Not bad. C'est pas mal. Tu m'impressionnes. Pas mal. Pas mal. Dans la maintenant, t'es fatigué pour 3 semaines. Non, non, non. On peut recommencer une deuxième fois. Oui! Tu as goûté chez Tabasco une sauce qui est 1,4 million Scoville. Ils ont ici une sauce de 6 millions de Scoville. Là. Celle-là. 6 millions de Scoville. Et en fait, elle est tellement piquante que tu peux l'essayer, mais tu dois signer une décharge comme quoi tu te ne retournes pas contre le magasin. Et le touriste qui est là, le touriste là, nous a dit qu'il a essayé cet après-midi, il est presque mort. Tu essayes? Attends, d'abord, est-ce que tu as écrit le testament d'abord? Est-ce que tu as écrit ton testament?
Allez, tu essayes plus? Pour mes abonnés, pour mes abonnés. Allez. Tu veux essayer? Ah, mais faut signer la décharge, hein. Bon, d'abord, j'appelle maman d'abord. Ouais. 6 millions de Scoville, ça te dit? T'as survécu 1 million 4. Une idée, Larissa, c'est 600 Scoville. 600 Scoville. Larissa. Ouais. Ça te dit? Il est ici, le scorpion. Ah oui, non, mais non, mais non, merci, ça ira. Mais bon. C'est pas la même marque, hein? Non, c'est pas la même marque. C'est sympa de pouvoir goûter les sauces comme ça. Elles sont pas toutes piquantes, hein? Il y a des sauces plus douces aussi. Elle est bonne celle-là. C'est celle-là ou ouais, c'est celle-là, ouais. Elle est bonne, hein? Regarde, il y en a à perte de vue des sauces. À perte de vue. Viens voir ça. C'est dingue, hein? Non? Tu la veux pas? Toutes les viandes, les choses sont délicieuses. Et le petit goût fumé, tu le sens? Et c'est bon? Ouais. Si tu as vu la vidéo où je découvre à la Nouvelle-Orléans, regarde, il y a le lien là-haut, hein. Si tu regardes la vidéo où je découvre la maison Airbnb dans laquelle nous sommes allés, j'en ai fait maintenant un pèlerinage. J'ai amené papa pour lui montrer. Alors, comment tu trouves le quartier et la maison? Ah, oh, c'est super, hein. Wow, j'aimerais bien habiter ici, moi. Oui, bah écoute, on s'arrête, on va marcher alors, hein. Tu te sens en sécurité ici, c'est pas mal, hein. Ouais, bah oui, il n'y a pas de souci, il n'y a personne d'ailleurs. Ils sont tous au travail. C'est comme les vrais Américains dans le Mississippi. Elle est pas, elle est là, elle est là. Oui, avant vous mettiez en commentaire qu'est-ce qu'il est grossier, etc. C'est de la blague, hein. La blague. On rigole. Hein. Vous me connaissez depuis le temps que vous me, qu'on parle ensemble. Vous me connaissez quand même. Oui, et puis blague. Bon, comme c'est mon papa. On se ressemble un tout petit peu. Hein. Ouais. Il paraît que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. L'arbre, il est là. La pomme. Toi, t'es tombé vraiment à côté de l'arbre. Hein, vraiment. Là, pourquoi tu veux que la pomme, elle tombe où? Bah, elle tombe loin. Non, moi, je reste à côté. Moi. Ouais, à mon avis, tu t'es planté juste en bas. Pas trop loin. Pas trop loin des racines. Moi, c'est vrai qu'on est bien, là. Ouais, hein. C'est peinard, hein. On se revient une sieste, tiens. Ah, oui, ça, oui. Une bonne petite sieste. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'être en vente, hein. Ouais, hein. Qu'est-ce que t'en penses du voyage de New York, de Dallas, de la Nouvelle-Orléans, Mississippi? Moi, je trouve qu'on a passé un super moment, c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré l'hélicoptère, j'ai adoré tout New York. Moi, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir quand même. Et puis, là, en Nouvelle-Orléans, hier, c'était sympa aussi le quartier français. Comment t'as trouvé le quartier français? Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le centre-ville, le dynamisme. Tiens, ça tremble un petit peu, là. Je sais pas pourquoi il... Voilà, c'est bien, là, voilà. Moi, j'ai aimé l'animation. Il y a beaucoup de gens qui sont là.
La nourriture, elle est très très bonne, on a bien mangé, hein. Qu'est-ce que tu penses de la viande américaine? Alors là, elle est super tendre, c'est vraiment génial. Jusque-là, on n'a pas mangé de mauvaise viande, hein. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Elle est très bonne. Et hier, la viande, elle était bonne, elle était épaisse, elle était légèrement fumée et bien grillée. C'est vraiment génial. Le fait d'être en Mustang, en plus, on a une Mustang V6, 320 chevaux, c'est pas mal, hein, quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'adore, c'est le fait d'avoir un cabriolet. Le cabriolet comme ça avec la casquette, c'est vraiment génial. La casquette en plus de chez Gas Monkey, hein, c'est l'émission que tu aimais bien, hein, c'est sympa d'aller voir, hein. On a pu le voir, comme ça tu peux voir un petit peu, te souvenir où c'est, puis tu regarderas pas l'émission de la même façon non plus, hein. T'as aimé? Moi j'ai adoré, hein. Franchement c'était vraiment génial. Tiens, tu pleures, t'aimes pas? Ouais, j'aime bien. Ah bah alors, qu'est-ce que tu poses des questions et tu y réponds. Ah bah c'est pour être sûr que tu répondes bien. Ah, okay. On va pouvoir aller ce soir au restaurant et te faire goûter de l'alligator. L'alligator. Dis, tu connais la différence qu'il y a entre un crocodile et J'allais te poser la question. Hein? L'alligator, le bec, il est plus fin. Ah, n'importe quoi. C'est caïman pareil. Tu vas nous la faire dans chaque vidéo. Chaque fois qu'on parle d'alligator ou de crocodile, c'est ce qu'on fait, hein. C'est comme là, il fait 38 degrés et on n'arrête pas de se dire, il fait bon, hein. Ouais, il fait bon. On ne peut pas partir de la Louisiane sans manger au moins et goûter de l'alligator. Ah, tout à fait. Alors là, j'ai demandé deux plats d'alligator, de la saucisse d'alligator et de la queue d'alligator. Alors ça, c'est un petit peu relevé, et ça, j'en sais rien, j'ai pas goûté, alors à toi l'honneur. Bon, bah écoute, je prends d'abord le morceau de queue d'alligator. Voilà, et tu me dis ce que tu en penses. Mais je ne vais pas le tremper dans la sauce, parce que j'aimerais savoir à quoi ça ressemble. Oui, vraiment. C'est mieux, c'est mieux. Ah bon? Délicieux. À ce point? Et ça ressemble à quoi? Du poulet. Ah ben oui, mais c'est ce que je disais aussi, hein, ça ressemble du poulet. Mais comme t'aimes bien le poulet, ça tombe bien. Mais c'est de l'alligator. Si, c'est de l'alligator. Oh, ils vont pas t'arnaquer quand même. Hein. Non. C'est bon? Délicieux. La saucisse, hein. Perfect, thank you. Et ça, normalement, c'est un petit peu plus relevé. En effet. Est-ce que c'est bon? Délicieux. Ah ouais? Je me suis réconcilié avec l'alligator. Mais mort, hein? Oui, bien sûr. Pas vivant. Dis au fait, papa, tu sais la différence entre un crocodile et un alligator? Ben oui, le crocodile, il a un museau plus large. Oui, ben enfin, c'est carrément pareil. Hein. Papa, t'es où? T'es où, papa? Qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que toi, hein. C'est plus fort que toi, hein. Non, je rafraîchis l'atmosphère. Ouais, regarde ça. Où il fait frais ici, là. Ça fait rien depuis que j'ai fait ça. Alors, t'as fait ça à New York, tu fais ça ici, t'as pas honte? Non, je rafraîchis l'atmosphère. Allez, moi aussi, je fais alors. Voilà. Et toi, t'as pas honte? Non, moi, ça me fait plaisir. Bon, alors, on va où, là? Ben écoute, maintenant on va faire du beau terre, hein. Du airboat. Ah, du airboat. Et on va voir des alligators. Des alligators. Dis, au fait, en parlant d'alligators, ouais. Tu connais la différence entre l'alligator et le crocodile? Ben oui, c'est pas difficile. Le crocodile a une bouche beaucoup plus grande. Ah, oui, ben donc c'est caïman pareil, quoi. Ah, c'est caïman pareil. Thank you.
comment je vais manger cette viande. Hein. Mais moi, je te donne pas de coup de main. Hein. C'est pas gentil. Hein. Tu vas pas manger une vache. Elle est où, elle est où ta solidarité paternelle? Non. Mais attends, mais je vais jamais pouvoir bouffer ça, moi. Attends, regarde la taille de ma main. Voilà, regarde. C'est deux fois la taille de ma main. Bon. Ah ben, j'avais un petit creux. Pourquoi tu fais ça? C'est franchement pas appuyé sur un bouton. Comment ça je sais pas appuyer sur un bouton? Comment ça c'est pas comme ça? Ah oui quand même. T'es comme les Américains toi. Tu gaspilles. En grande quantité. Tu gaspilles en grande quantité. Allez. Allez quoi? Allez, je vais te mettre au lit. Je vais te border. Ouais. Et moi je vais faire la fête. Et si toi que je dors, je vais faire la fête. Allez, je t'ouvre la porte. Hein. Allez. On va faire dodo. Allez, les petits vieux au lit. Et les jeunes vont faire la fête. Tu connais la différence entre un alligator et Eh merde. Crocodile. Fais-la toi, je couperai, vas-y. Bon, tu connais la différence qu'il y a entre un caïman et un alligator? Non, un alligator et un crocodile. Fais-la dire. Fais-la toi. Dis au fait, papa, tu sais la différence entre un crocodile et un alligator? Ben oui, le crocodile, il a un museau plus large. Oui, ben enfin, c'est caïman pareil. Hein.